Claire Marin est une artiste plurielle. Plasticienne, auteure et comédienne, elle explore les mots comme la matière. Elle aime aborder chaque thématique à travers cette variété d'angles. Elle s'est posée à Gurgis avec une exposition qui repose ici sur les quatre saisons et sur la manière dont la nature nous apprend à vivre sans cadre ni frontières. Libre comme l'art, les paysages respirent et s'animent au-delà d'eux-mêmes, jouant avec les couleurs, les matières, les reliefs et toute la mémoire d'une parole inscrite en eux. Depuis que je suis toute petite, dès que j'ai commencé à peindre, je voulais devenir peintre. Et quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire. Et donc les deux ont toujours été présents. Ce que j'aime, c'est créer des voyages poétiques, en fait. Et la poésie, elle va exister autant dans le visuel que dans l'écriture. Et donc ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de créer un voyage. Et surtout, c'est que de donner la sensation aux visiteurs qu'il était dans le paysage et pas qu'il le regardait d'une maison. En général, souvent quand on va dans une expo, on a des tableaux qui font comme des fenêtres vers l'extérieur. Et je voulais créer la sensation inverse. C'est-à-dire d'où le côté pays-passage, c'est-à-dire que chaque personne en fait se sente comme faisant partie du paysage et même jusqu'à faire corps avec lui, parce que en fait le paysage c'est une matière vivante, comme nous on l'est. Que ce soit dans ses pièces de théâtre, ses récits et poèmes ou ses histoires pour enfants, le processus d'écriture l'invite autant à réaliser des œuvres plastiques originales qu'à interpréter les personnages qu'elle invente. Une exposition que vous pouvez retrouver à l'espace culturel de Gurgis jusqu'au 29 septembre.